Entre nous et le commissaire, quand nous allons à Traugon. Mettez mon vierge. Now on est Jimmy à Traugon. Yeah. Qui est le plus grave des deux? Qui est le plus grave? Qui est le plus à terre? Moussa et son patron ne s'entendent plus. Moussa et son patron ne se sentent plus. Entre Moussa et son patron, le parchemin brûle. J'ai beau jouer les médiateurs, en tout cas, j'ai rien ne va plus. Moussa trouve qu'il est maltraité. Il en a assez de se faire insulter. Toujours Moussa, tu es bête. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bête. Jack, tu es vraiment bête. Il n'a rien dans la tête. Moussa là. Moussa trouve que c'est trop. Il est au bout du rouleau. Yeah. Tout ça doit changer. En tout cas, ça ne peut plus durer. On sait, et bah. Il y a Wadke. Hey, Moussa, il y a quoi passer la vieille chose, on dirait d'y aller là. Ça va, maquette, hein? Tiens, mon patron, les foutaises là. On est tous là sur ma poste de police, on va les blesser. Wallahi. Il part dans le porte plainte contre son patron. Au commissariat de Yopougon. On fait appeler le patron en question. Pour entendre sa version. Le mec arrive, on le fait asseoir. Le commissaire entre en action, il dit bonsoir. Alors comme ça vous traitez Moussa comme une bête quoi. Vous dites qu'il est bête, que vous n'avez jamais vu quelqu'un d'aussi bête. Qu'il est bête et qu'il n'a rien dans la tête, etc. Non mais mine de rien, c'est un père de famille là. Ok, comme vous avez les foutaises, ça sera cellule 16. Enfermez-moi ça là-bas. Chantal Conné. Commissaire, pardon, vous avez raison. Je reconnais savoir insulter Moussa. Mais donnez-moi l'occasion de donner ma version. Et vous verrez pourquoi j'ai dit tout ça. Quand je vous dis Moussa est bête, je sais pourquoi. Si je vous dis qu'il est vraiment bête, c'est qu'il y a de quoi. Quand je vous dis qu'il est bête, vous me croyez pas. Donnez-moi juste une minute et vous allez voir. Moussa, oui. Écoute, rends-moi un service. Oui, tu sais, depuis ce matin, on me cherche un peu partout. Alors écoute, va voir à la maison si j'y suis. Voilà Moussa qui prend ses jambes à son cou. Le commissaire se coule la tête, il dit au patron. Vous êtes libre de partir, vous aviez raison. Il n'est plus question de vous mettre au violon. Vous pouvez rentrer chez vous à la maison. En tout cas, Moussa est bête. Et il est vraiment bête. Il n'a vraiment rien dans la tête. À sa place, j'aurais téléphoné avant. C'est vrai qu'il n'a rien dans la tête. À sa place, j'aurais appelé avant. Bébé, les gars, qui est le plus grave? Qui est le plus grave? Qui a gardé son nom au commissariat de Yopougon? De vous à moi, qui a gâté son nom au commissariat de Yopougon? Patrick Brou, dis-moi qui est le plus grave des deux. Wouh, chef, eh ben.